Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ah, mardi. Super belle journée. 28 avril aujourd'hui déjà. Et que le temps avance, mais avance vite. On a hâte de retrouver la chaleur, le beau temps et tout. Un beau sujet aujourd'hui, ça m'a été inspiré comme ça parce que j'aime bien y aller avec qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui se passe, les conversations que j'ai avec les gens, puis j'aime ça vous suivre, ok? C'est comme ça que j'y vais. Et c'est ça qui sortait aujourd'hui, c'était, est-ce que j'apprécie ce que j'ai? Est-ce que j'ai une reconnaissance, une gratitude envers ce que j'ai, ce que je possède, ce que je vis aujourd'hui? Puis je m'aperçois aujourd'hui l'importance que ça peut avoir. Ça faisait pas tellement résonance pour moi avant. Mais aujourd'hui, je peux sentir à quel point ça a une importance majeure dans mon bonheur, mon bien-être. Parce que j'ai l'impression d'avoir vécu tellement longtemps avec j'ai besoin de faire, j'ai besoin de réaliser, j'ai besoin de... pour pouvoir être contente, pour pouvoir être satisfaite, pour pouvoir... C'est comme si il y avait des attentes tellement grandes envers poser l'action, le stress qui vient avec. Tu sais, ça te met dans un état où t'es pas dans l'appréciation de ce que t'as. Puis là, le fait d'être arrêté, tu sais, le fait d'avoir le temps de toucher, de réfléchir, de, tu sais, ça nous donne cette opportunité-là aussi de voir finalement qu'est-ce qui est important pour moi. Placer nos priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans la vie que je veux? Est-ce que je suis avec des gens que j'aime? Est-ce que je suis entourée de monde qui me nourrissent, qui me font du bien? Quelle vie est-ce que je me suis créée? C'est la bonne question, ça, hein? Quelle vie est-ce que je me suis créée? Est-ce que je suis satisfaite de la vie que je me suis créée? Et sinon, pourquoi je suis là? T'sais, comment je peux changer ça? Coucou! Salut, Vincent! Le fait d'apprécier ce que j'ai, ça a l'air banal comme sujet, t'sais? Parce que tu dis, oui, j'apprécie, oui, je suis contente, là, t'sais. Puis comme je vous dis, ça faisait pas vraiment résonance pour moi jusqu'à récemment, à quel point je peux constater que et que je suis bien et que ça me prend pas grand-chose pour être bien. Ça veut pas dire que... puis là, je parle pas de posséder, je parle pas d'avoir, je parle de... J'ai plus besoin d'être obligée de faire. J'ai plus besoin d'être obligée de me réaliser pour me prouver à moi-même que je suis capable. J'ai plus besoin de... Tu sais, j'ai comme plus à me prouver quoi que ce soit d'amour, d'importance. J'ai l'impression de l'habiter, ça. Puis ça me donne un sentiment de reconnaissance. Ça me donne une impression de et que je suis donc chanceuse, tu sais. Puis j'aime pas ça, ce mot-là, parce qu'à quelque part, tu sais, on est dans la vie qu'on a choisie. T'sais. Fait que c'est... Est-ce que c'est de la chance? Non, je pense pas. Je pense que c'est des circonstances de choix. J'ai le choix de pas voir. J'ai le choix de pas faire. J'ai le choix de pas apprécier. J'ai toujours ce choix-là. On a toujours le libre choix de tout. On vit avec les conséquences de nos choix. C'est juste que... Mais j'ai le choix toujours pareil. Je peux pas changer la circonstance qui se passe en avant de moi nécessairement. Mais quand elle arrive, j'ai toujours le choix de comment est-ce que je vais réagir avec ça, puis qu'est-ce que je vais choisir qui va être le mieux pour moi. Tu sais, je vois plein de choses circuler. Est-ce que j'emmène... Les garderies vont réouvrir. Les écoles réouvrent. Est-ce que je devrais? Est-ce que je devrais pas? Je pense pas qu'il y ait de bonne réponse à ça. Je pense pas qu'il y a une seule réponse à ça. Moi, je pense que la réponse, c'est la vôtre. C'est... Qu'est-ce que ça t'a permis de vivre? Tu sais, c'est... Je vois ma fille, ses enfants, je vois... Tu sais, j'observe et ce que je réalise, c'est que à force d'être à la course, à travailler, on finit qu'on n'apprécie plus rien. Puis là, le fait que les enfants aient été confinés avec leurs parents pendant toute cette période de temps-là, ça a fait que le comportement change. Les enfants, ils ont comme...
ils se sont nourris de la présence de leurs parents, ça les a fait du bien. Puis là, je trouve qu'en tant que parent, il y a beaucoup de questionnements à dire. Puis je vois des culpabilités, tu sais, aussi. Là, je lisais un post là, qui disait « Si j'envoie mon enfant à l'école, je me sens coupable de la mettre dans une circonstance où elle va être en danger. Si je l'envoie pas à l'école, je me sens coupable parce que je la prive de son éducation. Si, » tu sais, à quelque part, on ne sait plus trop quoi penser, où se situer puis quoi faire. Revenons à nous-mêmes, revenons à notre essence, revenons à... Est-ce qu'on peut considérer ces êtres humains, même s'ils sont miniatures, même s'ils sont tout petits dans leur peau d'enfant, c'est des êtres humains avec des besoins, c'est des êtres humains avec des sensations, c'est des êtres humains avec des émotions. C'est dire, comment tu vis ça, toi? Comment tu te sens là-dedans? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que je te prends puis je m'en vais te mettre dans une ambiance où toi, tu te sens confortable? Ou bien si c'est moi, ma sécurité qui est ébranlée là-dedans, c'est moi, ça m'appartient, ça, cette réaction-là. Mais ça se fait, ça, d'avoir cette conversation-là avec notre enfant, c'est de l'entendre et de l'écouter, tu sais. Puis de voir ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on possède à quelque part. Dans le fond, c'est la vie qui m'entoure, la vie que je me suis créée. Est-ce que je l'apprécie? Est-ce que je suis heureuse là-dedans? Puis je me rends compte, moi, que c'est pas tant dans ce qui s'en vient qui va me rendre heureuse dans ce que je fais au quotidien. Tu sais, la projection, c'est comme la perception, elle a changé. Plutôt que de me projeter dans l'avenir puis de dire « Hey, là, je vais faire ça parce que ça, ça va être vraiment cool. » Puis, mais je suis rendue là, je vais tellement être heureuse. Pantoute, tu sais, je vois plus le mont Everest dire « Quand je vais être rendue en haut de la montagne, là, je vais pouvoir voir la vue puis là, je vais pouvoir être contente. » Là, je vois ça plus comme « Hey, regarde le pas que j'ai fait aujourd'hui. J'ai eu tellement de plaisir. J'ai tellement eu du fun. » Puis, moi, ce que ça me dit, c'est que mais je suis rendue en haut du mont, là. Ben, ce que ça va vouloir me dire, en fait, c'est comme « Regarde le chemin accompli que j'ai fait, puis OK, quelle est la prochaine montagne? » Ça va être ça. Ça sera pas le « Mais je suis rendue en haut, je vais être contente. » Non, c'est tous les pas que je fais à tous les jours qui m'emmènent vers où je veux, qui m'emmènent vers cet objectif-là, vers ce sommet de montagne-là. Que ce soit ce que ça voudra, la vie, ma vie, tous mes axes de vie, je les choisis. Puis même si je fais ça, même si je fais ça, même si je fais ça, je choisis ça. Je choisis de ne pas entendre, de ne pas voir, de ne pas parler, de ne pas me faire entendre. Je choisis ça. Quand on se choisit, tout ça, ça change. Ça fait juste nous prouver à quel point ça part de nous autres. C'est tellement ça. Puis apprécier ce qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est sortir de ce besoin tellement criant. Moi, j'ai tellement eu besoin de me réaliser, de toucher à cette reconnaissance, de toucher à cet accomplissement, de toucher à... T'sais. Puis finalement, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est à moi que j'avais besoin de le prouver, finalement. J'ai pas à prouver quoi que ce soit à personne. Puis je me sens plus dans cette rush, de cette urgence-là. On est en lancement présentement. Je vis zéro stress. Je suis dans un plaisir intense. J'ai du plaisir avec ma gang. On est 12 ambassadeurs, qui plus avec les intervenants du 7e ciel. J'aime ça, travailler en équipe avec du monde de cœur qui s'implique, qui ont ça à cœur, qui veulent faire la différence, qui veulent... En fait, j'ai l'impression qu'on est porté par le fait d'avoir vécu, ressenti ça, de dire « que ça a tellement été souffrant, puis que maintenant, je suis tellement bien que j'ai juste envie de redonner au suivant. J'ai envie que ça, qu'il y en ait plus qui se sentent de même. T'sais, mais en fait, j'ai plus rien, mais je peux juste montrer le chemin. Moi, c'est tout ce que je peux faire. T'sais. Mais de porter ça, cette intention-là, de dire hey, « je trouve ça tellement cool de pouvoir faire ça comme travail, là, ça... Wow! Ça me remplit de joie, tu sais. » Puis, les 12 ambassadeurs qui sont avec moi, ben je le vis comme ça. Je le sens comme ça.
je sens que cette gang-là, là, ils ont ça d'un trip, puis je trouve ça assez beau, je trouve ça assez beau, moi, ça me nourrit au quotidien, je plane littéralement. J'ai super hâte de commencer ça, cette septième cellule-là, une quatrième cohorte, mais là, là, la chimie qu'il va y avoir là-dedans, ça, c'est débile, j'aime tellement ça. Tu sais, on a tellement été isolés. Puis ça, c'est tellement être accompagné. Tu sais, tu t'inscris avec un ami à ton choix. Fait que là, tu as déjà une équipe. Tu t'inscris avec un ambassadeur. Tu as déjà un autre membre d'équipe. Fait que vous êtes minimum trois. Fait que et ça peut s'élargir. En plus de ça, vous êtes dans le septième ciel. Fait que vous êtes accompagné par moi. On vient d'augmenter l'équipe. En plus des professionnels, qui en a 6, 7, 8, 7, en tout cas, quelque chose, hein? On est plusieurs professionnels en plus de ça. Puis vous avez, fait, écoute, t'es plus tout seul, là, t'sais. Il y a plein de monde, puis c'est tous des gens qui travaillent là-dedans, c'est tous des gens qui travaillent dans la croissance personnelle, c'est tous des gens qui peuvent vous montrer le chemin. Pas le faire pour vous autres, montrer le chemin. T'sais. Puis pour que tu puisses faire tes propres choix, on est maître de notre destinée, on a ce libre arbitre. Puis, je trouve ça fantastique. Respectons le rythme de chacun. Si vous êtes prête à passer à autre chose, là, c'est le temps en tabarouette, là. On va être fun, là. Moi, je tripe déjà. J'ai déjà du plaisir. C'est vraiment agréable. Ma gang, là, j'aime ça. Je suis contente. Fait, j'apprécie. Puis, juste une anecdote, là, anodine, OK? C'est... Tantôt, je regardais parce que j'étais en train de faire la... Salut, Philippe! Moi aussi, je t'adore. Philippe, c'est mon cousin. Hein? Il fait partie de la famille, cette famille tellement maganée. Et je t'aime d'amour, mon cousin. Franchement, là, je suis très heureuse de faire partie de cette belle famille riche en expérience. Et on passe à un autre niveau aujourd'hui. Ce n'est plus cette famille... déchiré. C'est vraiment quelque chose qu'on se construit là-dedans. Je trouve ça fantastique. Je reviens à mon exemple. J'aime ta petite abeille. C'est vraiment cute. Be safe. Aïe, aïe, aïe. Mon exemple tantôt, c'est que j'étais en train de faire la salle de bain du haut. OK? Parce qu'on est en construction, on est en train de finir des parties, puis on est pas mal plus dans la finition présentement. Puis, moi, j'aime ça faire de la céramique, je fais des mosaïques. Et là, j'ai eu une idée de génie, tu sais. Puis j'ai dit, ah, oh, j'ai envie de faire deux tourtereaux dans un genre de cœur de fleurs. Puis je mettrais ça là, tu sais, juste à côté du bain. Il me semble que ça serait beau. C'est de la job. S'il vous plaît. Pas une petite affaire. Mais là, je dis, comment est-ce que je vais faire? Ben, j'ai tout coupé ça en petits coraux, en petits. Puis de toutes sortes de couleurs. Puis là, il faut que je suive mon dessin. Il faut que je fasse ça. Et là, j'ai dit, je veux pas coller ça petit morceau par petit morceau. Je vais en avoir pour 3 ans à faire ça. Ben, puis je veux que ça suive. Je peux pas mettre des petites croix. Je sais pas si vous savez comment ça marche, la céramique. Là. Mais il faut que tu mettes des petites croix pour t'assurer la distance entre chaque morceau de céramique. Fait que là, comment je vais faire pour tenir ça? Puis vu que c'est toutes des batchs que je récupère avec des couleurs, ils sont pas nécessairement de la même épaisseur, les morceaux. Là, comment est-ce que je vais arriver à faire fitter tout ça puis que ça pèse bien? Fait que ça fait un bout que je me creuse les méninges pour essayer de trouver quelque chose. Puis tantôt, mon mari arrive avec une idée. Puis, tu sais, c'est de voir notre perception là-dedans. Parce que tout ce qui existe que tu achètes, qui sont des petits coraux découpés, c'est tout fixé sur un genre de filet en arrière. T'sais, fait qu'il y a comme un filet, une colle, tes morceaux sont là-dessus, ça tient. Fait que ton ciment en arrière passe à travers les petits coraux, puis ça vient coller ta céramique. Bon. Fait que, vu que c'est fait comme ça, ben, je cherche une solution dans cet angle-là. T'sais, je pense pas à d'autres choses. Puis après ça, il me dit, ben, sais-tu? Il dit, pourquoi est-ce qu'à la place de mettre quelque chose en dessous, tu ne mettrais pas quelque chose sur le dessus? Ben, si je mets quelque chose sur le dessus, je ne verrai plus mon dessin, je ne comprends pas. Fait qu'il dit, ben non, garde. Il dit, prépare-les ton dessin, mets-les toutes sur la table comme il faut, avec toutes tes distances que tu as besoin. Puis il dit, colle-toi un masking tape dessus. Puis une fois qu'il va être collé au mur comme ça, puis qui va être figé, on enlève le masking tape, puis c'est tout, tu sais. Fait que là, il va tout être à la même hauteur, il va tout être égalisé, il va tout être à la bonne place, il va tout être... Mais c'est-tu une idée de génie? C'est-tu... Je vais vous montrer ça au fur et à mesure, je vais avancer, ça vaut la peine, je trippe juste à faire ça, ça va être extraordinaire. Tout ça pour vous dire que chaque petit geste que je peux faire au quotidien, pas par obligation, par pur plaisir, j'ai envie de le faire, je le fais, point. J'ai envie de le faire,
je m'autorise à le faire, ben je ne ressens plus ce besoin de me prouver et de me donner à moi-même, tu sais. Donc, c'est comme si j'avais eu besoin de me convaincre que. C'est besoin de me convaincre que je le méritais, besoin de me convaincre que je le valais, besoin de me convaincre que j'avais cette compétence, besoin de me convaincre que j'étais appréciée, parce que ça a tout rapport avec le rapport que j'ai face à moi-même. Puis là, ça... J'ai plus cette pression-là, ce stress-là. Je trouve, sincèrement, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, vous autres. Je trouve sincèrement que cette étape, cette occasion, cette opportunité de confinement qu'on a à vivre présentement, c'est une chance inouïe qu'on a de pouvoir faire le bilan, de pouvoir s'observer, de pouvoir regarder. J'étais en entrevue ce matin, on parlait de ça justement, dire quel serait le conseil que tu donnerais. Mais, tu sais, c'est de dire, prenez le temps de vous regarder, prenez le temps de vous observer, prenez le temps de voir où est-ce que vous en êtes. Il y en a qui disent, tu sais, après le confinement, il va y avoir plein de divorces, il va y avoir plein de séparations. Qu'est-ce que vous décidez de faire? En fait, là, ce que vous vivez là, présentement, si c'est de la souffrance, ben prenez conscience des choix que vous avez faits dans votre vie pour que vous viviez ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que votre vie est de la souffrance? Et vous savez, ce qui est souffrant, là, c'est la non-acceptation de l'expérience. Quand je résiste à l'expérience qui se présente devant moi, je veux changer l'extérieur, je n'ai pas de pouvoir sur ça. Fait que c'est toujours souffrant, c'est là la résistance. Puis quand je finis par dire, OK, c'est quoi mon pouvoir à moi là-dedans? À place de dire, c'est toujours à moi que ça arrive, cette affaire-là, comment ça se fait que, OK, moi je veux quoi, puis c'est quoi les moyens que je peux prendre pour y arriver? Un, l'identifier. Puis une fois que je l'avais identifié, OK, je fais quoi à cette heure pour changer ça? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Puis, les gens qui vous entourent, vous les avez choisis. Puis si vous êtes encore en présence de ces personnes-là dans votre entourage, c'est que vous l'avez choisi. Soit pour vous épargner des efforts, puis ça devient plus souffrant. En voulant s'épargner, des fois, des souffrances, on crée le contraire, parce que c'est une fuite. C'est pas dans l'amour de soi. Fait que tout ce qui est pas dans l'amour de soi, ça devient automatiquement souffrant. Mais vous l'avez choisi. On l'a tous choisi. Fait que, est-ce que vous avez fait les choix pour vous? Est-ce que vous avez fait des choix dans l'amour de vous-même? C'est ça la question à se poser. Et comment vous pouvez faire un choix qui serait dans l'amour de vous? Puis, oubliez jamais que la personne qui vous entoure, c'est le reflet de vous-même. Puis, la question qui est à se poser, c'est si je suis en paix avec l'autre qui est en avant de moi parce qu'il ne me déclenche pas, mais que son attitude et son comportement vient affecter qui je suis et que ce n'est pas ça que j'ai décidé que je voulais vivre comme expérience dans ma vie, j'ai ce choix de faire d'autres expériences. J'ai ce choix de changer cette réalité-là pour moi et de ne pas ou ne plus fréquenter cette personne. Ça m'appartient, ça. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Ça ne veut pas dire que l'autre est responsable. Au contraire, c'est merci d'avoir croisé ma vie. Grâce à ça, j'ai pu m'observer. Grâce à ça, j'ai pu prendre conscience de ce qui se passe pour moi. Je jasais avec une autre personne. Puis merci en passant, hein, j'apprécie nos discussions. Il y en a plusieurs qui me textent, qui me disent « Je peux-tu te jaser? » Et on jase avec ben, c'est vraiment le fun, j'adore ça. Et je jasais avec cette personne-là et qui sentait mal, qui sentait coupable, qui sentait pas bien, qui avait l'impression d'avoir mal agi, elle s'était pas choisie, tu sais, puis tout ça. Je la laisse parler, puis moi, c'est drôle, hein, mais ça me fait énervée, toute excitée de dire « Bravo, va célébrer! » Parce que, est-ce que tu te rends compte à quel point ce que tu vis est fantastique? T'sais? Puis ça fait comme « De quoi tu parles? » Je te dis que je souffre parce que je suis pas contente, puis je me sens coupable. Puis, ben,
Oui, la culpabilité, premièrement, c'est inutile, sauf que observe ce que tu viens de réaliser, puis que tu viens de faire comme prise de conscience. Tu viens, pour la première fois de ta vie, de prendre conscience que ça te convient pas, que c'est pas quelque chose que tu veux vivre. Mais tu as des croyances qui te font croire que c'est pas correct, que t'as pas le droit de te choisir. Mais non, sors de là, va fêter, va dire, hey, wow, merci, enfin, je prends conscience et je décide pour moi aujourd'hui. Je reprends ce pouvoir-là sur moi, sur ma vie. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Tu ne l'avais pas vu avant, aujourd'hui, tu le vois. T'sais. Avant, tu avalais tout, puis tu t'accumulais jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça pète, puis ça éclate. Là, une circonstance, une situation, puis ça a fait. Je suis pas bien avec ça, faut que j'en parle à quelqu'un. T'en parles à quelqu'un, puis ça fait. Pff, tu viens de perdre ta charge, puis tu te dis, voici ce que je décide pour moi. Faites ça, Colin, allume un feu de joie, ouais, go, on va danser. Tu sais, c'est ça. Apprécier ce qu'on a, apprécier l'expérience. Tout ce qu'on vit dans notre existence, cette expérience. J'en ai vécu un puis un autre. Hein, Philippe, toi aussi, on a vécu. On a vécu des choses difficiles, mais on a toutes vécu des choses difficiles. C'est qui peut juger que ce que tu as vécu, c'est pire que l'autre, puis que ça. Non, c'est on a tous fait ce choix. On arrive tous avec ces blessures-là, et on est là pour vivre cette expérience-là, pour trouver l'amour de soi là-dedans. Puis c'est un chemin absolument fantastique. Oh, je capote, hein? Oui. Je réalise ça. Tellement heureuse, tellement contente. Fait que moi, c'est gratitude. Gratitude infinie. Merci tellement. Je suis heureuse d'exister. Je suis fière de ma vie, de tout ce que j'ai pu réaliser. Je ne considère pas avoir fait des échecs. Je considère avoir appris. J'ai appris. J'ai eu mal. J'ai souffert. J'ai trouvé ça difficile. Puis aujourd'hui, je préfère bannir ce terme-là de mon vocabulaire. C'est pas difficile. C'est de la résistance. C'est de la non-acceptation. C'est de la non-accueil de ce qui se passe. C'est de ne pas voir le cadeau qui est là. Des fois, il est mal emballé. Des fois, tu dis, tu sais, il est emballé avec des pics, là. T'sais. Mais ça reste un cadeau. Et quand on fait l'expérience de développer ça et de toucher au cadeau, on fait OK, OK. Essayons voir un autre cadeau, un autre cadeau, un autre cadeau. Puis ça finit par faire merci la vie, je me sens comblée. T'sais? Mais c'est par des petits gestes. C'est pas en arrivant en haut de la montagne. C'est chaque pas, chaque petit pas. Enfin, je vous laisse réfléchir à ça. Et comme je vous dis, hein, pour les deux prochaines semaines, oui, je vais inonder un peu. Vous allez me voir énormément sur les réseaux sociaux, dans les courriels et tout ça, parce que c'est la campagne de Vive le septième ciel. On part une fois dans l'année et là, on part en grande. Ça ne sera pas une énorme cohorte, hein, parce que vu que c'est de l'accompagnement personnalisé, on est un petit groupe serré. Fait que vous allez voir que ça va... Ça va assez vite. Oh, qu'est-ce que j'ai à dire à part ça? Il fait beau. Faites-vous une belle journée. Puis il n'y a aucun prétexte qui vous empêche de vous occuper de vous. C'est quand même que vous dites, ben là, j'ai pas le droit de sortir, je suis en confinement. C'est parce que tu as décidé d'obéir. Hein? Tu as décidé d'obéir, tout simplement. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre tes deux pattes puis de sortir, là? Faut-tu vivre avec les conséquences, naturellement, mais tu sais, il y a toujours moyen de porter une énergie positive et d'attirer ça dans sa vie. Puis c'est ce qui finit par arriver, tu sais. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Mettez du bonheur, de la lumière, de la beauté dans votre vie. Puis vous allez voir que c'est ça que vous allez vivre. C'est ça qui va se passer. J'en suis l'exemple, dans le sens que je peux en témoigner aujourd'hui. Tant de souffrance, tant d'années de dépression, tant d'années à ne pas être bien pour finalement toucher à ce pur bonheur.
Puis c'est pas rien qu'un pic, là. J'ai connu des pics, des dents, des pics, des dents. Je suis pas là, là. Je suis dans une sérénité incroyable. Incroyable. Fantastique. Extraordinaire. Puis je suis pas à veille de sortir de là, ça, je vous le garantis. Puis le fait de contribuer à aider mon prochain à vivre la même chose, ça me nourrit, ça me comble de joie. Fait que sur ce, moi, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous adore. On est tous des êtres extraordinaires. Moi, j'ai cette conviction-là. Et je vous dis à demain. Bye bye!